Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 53 Tour 12. Alors aujourd'hui, on va parler de nos enfants. J'ai trouvé pour vous un petit site qui vous permettra de pouvoir parfaire à leur orientation scolaire. Comme la plupart des parents, vous avez sans doute peur que votre enfant se trompe. C'est vrai qu'il est très difficile de choisir son orientation professionnelle. Même après le bac, les enfants ne savent toujours pas quel métier ils veulent faire. Si vous arrivez ici, c'est que vous doutez de votre orientation professionnelle ou alors vous voulez assurer un avenir correct à votre enfant et vous voulez éventuellement lui choisir la meilleure voie pour son avenir. Le but de cette vidéo est de pouvoir vous aiguiller sur un site qui va vous aider à construire et à orienter votre enfant. Mais attention, ce ne sera pas la cour des miracles, ça ne va pas être comme ça une révélation, ça sera uniquement des tests afin d'évaluer son potentiel sur des cœurs de métier. Moi-même, j'ai fait ce test et il correspond exactement à ce que j'aime faire aujourd'hui, en ce moment, avec vous. On se retrouve immédiatement avec ce dont je veux parler. Nous revoici donc sur le site de Studirama. Très important à connaître pour les jeunes étudiants et même les lycéens. Donc, je vous invite à consulter l'ensemble des documents qui sont fournis sur ce site. Ils vous seront très utiles pour l'avenir. Nous allons parler maintenant du sujet principal, c'est-à-dire le test d'orientation. Je clique sur « Test d'orientation ». Cela nous amène à la page de test par laquelle je valide. Comme vous pouvez le voir, il nous redemande une nouvelle fois de lancer le test. Mais au préalable, il aura fallu que vous vous inscriviez sur ce site. Bon, ils vont vous demander quelques renseignements sur vos diplômes, sur vos noms et adresses. Bon, je vous invite simplement à tricher un petit peu si vous ne voulez pas être dans les bases de Studirama. Donc, on commence le test. La première proposition qui vous sera faite, c'est « Êtes-vous étudiant, parent d'étudiant ou autre profil ?» Vous choisissez celui qui vous convient. En l'occurrence, nous allons choisir « Étudiant ». Trois tests vous seront proposés. Vos intérêts professionnels, vos motivations, ainsi que votre personnalité. Je vous invite à répondre aux trois questionnaires jusqu'au bout, afin d'avoir un test vraiment minutieux et précis sur votre personne, afin de savoir quels seront les métiers pour lesquels vous serez entre guillemets, prédestiné. Je vais donc commencer par le test professionnel. À chaque test, il vous donnera une fiche de consigne. À vous de la lire et de commencer le test. Dans ce test, il vous est demandé deux choses. Ce qui m'attire le plus et ce qui m'attire le moins. Parmi les trois affirmations, laquelle vous attire le plus et laquelle vous attire le moins. Je fais le test au hasard. Une fois le test terminé, vous validez. Il va vous demander vos coordonnées, le compte que vous aurez créé auparavant. Mais pour l'instant, pas utile. Vous souhaitez continuer le test. C'est ce que l'on va faire. Toujours la petite fiche de consigne à bien lire. Et vous faites commencer le test. Idem que tout à l'heure. Là, vous choisissez ce que vous préférez à chacune des réponses. Je prends au hasard. Je fais une pause et on revient pour le test. Après avoir rempli ce test sur vos motivations, vous validez. Pareil, on entrera ces données à la fin du troisième test. Souhaitez-vous continuer le test? Oui. Pareil, la petite fiche de consigne à suivre. Une fois le test sur votre personnalité terminé, vous validez. Vous allez rentrer les données que vous aurez auparavant inscrites pour vous inscrire. Après avoir rentré votre adresse mail et votre mot de passe, Studirama vous propose votre bilan personnel que vous recevrez sur votre boîte mail. Donc ici, vous pouvez voir les explications et les mots-clés, les motivations, ce qui résulte de vos motivations en fonction de vos critères de choix selon les questions posées. Côté personnalité, eh bien, on vous donne des explications ainsi que le pourcentage bénéfique dans l'une ou l'autre des parties. Par exemple, apprécier de mener et apprécier de participer, on voit que c'est 50-50, rien ne se détache réellement. Mais après, il y a d'autres structures plus les explications qui vont venir confirmer les choses pour lesquelles vous êtes prédestiné. Je pense que ce test est très bien pour tout le monde, pas seulement pour les étudiants, mais aussi pour les gens qui veulent changer de métier. Nous allons passer au bilan. Le bilan vous donnera les métiers avec lesquels vous auriez le plus d'affinité. Toutes mes réponses étaient du hasard. On peut aller du commerce, vente, métier de l'animalier, psychologie, social, distribution, internet, sport, journalisme, mode, avec des pourcentages à côté. Vous aurez également la possibilité de refaire le test, mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt à refaire le test, parce que si vous êtes sincère avec les réponses que vous avez données, normalement le premier jet devrait correspondre en partie à vos caractéristiques
Et pour ceux qui le souhaitent, hein, je vous invite à aller sur la page d'accueil du test et vous pourrez voir plus bas, vous avez d'autres tests possibles pour savoir si vous êtes fait ou non pour des études bien particulières. Et c'est vraiment très instructif, notamment, je le répète une fois encore, pour les parents qui ne savent pas où diriger leurs enfants. Si vous avez vraiment, si vous arrivez à discerner qui est votre enfant avec précision, parce que des fois les enfants ils arrivent à tricher, hein, mais si vous arrivez à répondre au questionnaire à leur place, à faire le test pour eux, mais dans tous les cas, il faudra qu'eux fassent le test. Bon, bien sûr, pas trop tôt, parce que ça sert à rien, hein, 12-13 ans, ça sert à rien de faire ce test. Je pense que au niveau d'arriver au lycée, je pense que ça serait une bonne chose que tous les élèves de France puissent remplir ce type de test afin de ne pas se retrouver avec un diplôme de rue de secours, style psychothérapeute ou psychiatre, parce qu'on ne sait pas quoi choisir comme métier. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère avoir été suffisamment clair et précis dans mes propos. Surtout, n'oubliez pas de liker si ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne 53 Tournouze. Ciao !